bien tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est une vidéo Clash Royale, j'espère que vous allez bien, matez le décor, vous allez voir, on va faire des trucs de fou dans cette vidéo frère. Matt par là, podcast. Matt par là, coffre légendaire frère, attends, je fais le goonies. Regarde, et coffre, super magical chest. Voilà, je les ai remis dans le décor, à fond. J'espère que tu vas bien, c'est David Kai, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnel, comme tous les jours. J'espère que logiquement il va y avoir des tournois incessamment sous peu. Alors j'avais deux idées dans cette vidéo. J'avais une première idée, c'était genre de faire un deck spécial touchdown. Tu vois, un deck spécial touchdown. Alors qu'est-ce qu'il faut pour un deck spécial touchdown? J'en ai pas la moindre idée. Alors là tu te dis, ouais le mec se fout vraiment de notre gueule, etc, etc. Mais pas du tout en fait. Non, pas du tout. C'est juste que... pour un deck touchdown, il faut bien réfléchir. Et du coup, on va commencer par un deck touchdown. Et ensuite, et seulement après, on ira jouer en leader si tu vois, si genre personne répond. Et on va acheter des gemmes. Et j'avais un petit truc à faire, tu vois. Je m'étais dit, voilà, vous êtes cool. Moi, je vais prendre un maximum de gemmes pour commencer parce que je vais faire des tournois. Je vais faire ce soir, enfin, alors, quand toi, tu vois la vidéo, je sais pas trop. Mais du coup, il va y avoir ça, qu'il va y avoir pas mal de tournois que je vais organiser. Et j'espère trouver des gens pour sponsoriser un peu tout ça. On va améliorer quelques cartes parce que sinon, c'est la PLS du game. C'est ça que je voulais, voilà. Alors, regarde, on améliore plein de cartes. Non, pas toi, le mini PK, on va pas le passer au level sub. Alors je sais ce que vous attendez tous, c'est le moment où je vais acheter les gemmes. Vous avez raison. Combien je vais en acheter? Combien il va mettre dedans ce pigeon? C'est vrai que je suis un pigeon sur Clash Royale. Le temps passe, mais je fais toujours les mêmes conneries. C'est-à-dire que je dépense toujours autant dans le fond. Un peu moins, je suis un peu plus raisonnable. Mais quand même, alors vas-y. Je m'invente une life, vas-y. Plus pigeon tu meurs. Hein. Ok. C'est bien tout ça. Alors. Quoi? Seulement troisième? Moi j'ai gagné mes trois couronnes. Hein. Moi je m'en fous perso, j'ai gagné. Hein. Du coup, vas-y, c'est parti. On partage avec le clan. Voilà, on partage avec le clan. Donc j'espère qu'il y a des joueurs de touchdown. Eux savent peut-être pas que je fais une vidéo, mais moi je le sais. Et donc si ça dure trop longtemps, je serai obligé de partir. Oui, non, c'est bon, on a trouvé un... Ah ok, je me suis fait... On va prendre le mini pex, Zer. Ah, ça c'est une bonne question ça. Hein. Tu prendrais quoi toi? Tu peux me le dire en commentaire, hein. Franchement je sais pas trop. Je vais peut-être prendre le mortier, ça peut faire une grosse def. Bah bien sûr, la sorcière, bien sûr. Je prends le miroir. J'aime bien les dés. Oh putain, en face il y a l'Arc-X. L'Arc-X c'est une trop bonne carte, je trouve, en touchdown. Non, je vais pas te mentir. Tu vois, je trouve que c'est une bonne carte. Ah, on a la roquette, nous, le truc qui sert à rien, quoi. On a la roquette, c'est une carte morte, quoi. Roquette, c'est carte morte, hein. La roquette, c'est carte morte actuellement. Vas-y, arrête tes conneries. Eh, je peux pas la stopper, là. Fais quelque chose, frère. Fais quelque chose, frère. Je peux pas stopper, je te dis. Putain, mais on va perdre sur... Putain, mais... Non, mais sérieux, j'ai jamais vu ça. Putain, mais je joue avec un espèce de noobas, là. C'est qui, lui, de mon clan, là? Dragon Buster, là. Putain. Dragon Buster, s'il te plaît. Le mec, il a déconné. Oh, le mec, il a déconné grave. Hein. Oh là là. Vas-y, le mini-pec. Des flèches, on n'a pas de flèches, là. Putain, ils ont tout, les mecs, ils ont tout. Cherche pas les mecs, ils ont tout, quoi. Bon, les mecs, ils ont tout, hein. Allez, vas-y, ça peut le faire. Ah, oh, les mecs, ils ont tout. Les mecs, ils ont tout pour eux, quoi. Non, je suis pas dépressif, frère. Mais là, tu vois bien que c'est trop chaud, quoi.
Non, mais on n'a aucune carte. On n'a aucune carte. C'est un sketch. Ah voilà, bah ça c'est mort. Voilà, c'est mort. Attends. Non, mais mets ta cabane à gauche! Putain, mais il le fait exprès ou quoi? Putain, mais c'est qui lui? Vas-y, là, on en a balancé de partout, là. Oui, touchdown de ma sorcière! Putain, 42 secondes de la fin, frère. Oh, putain, c'est chaud. Wouah. Comment c'était trop tendu. Ok, mortier cash. Voilà. Ah, fait chier, ça va être trop chiant à gérer, quoi. Oh là là. Le sorcier à gauche. Là. Putain, ça me vénère en vrai. Oh, non, mais on commence à 0-1. Comment tu veux faire? 0-1. Le mec, il avait aucune carte. Non, le mec, il a mal joué. Il était où son gobelin à Sarbicane là? On va acheter des gemmes après. T'inquiète, t'inquiète. Je sais que c'est ce que tu veux. Putain, genre, ils veulent plus jouer avec moi alors que c'est eux qui sont mauvais. Non, je te jure, les mecs veulent plus jouer avec moi. Alors, on va pas se mentir. C'est lui qui est mauvais, c'est pas moi. Non, tu le sais. Ça m'énerve, ça. Attends, vas-y, j'attends 10 secondes. Et s'il veut pas, je pars en ligue. Et ce soir, tournament. Enfin, je sais pas quand tu verras cette vidéo, mais sûrement, quoi. Ah, le mec m'a réduit au silence. Allez! Vas-y, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0. Franchement, c'est des boulets. Eh, franchement, ils sont trop nuls. Ah ouais, Dragon Buster, il dit sorry. T'as raison, quoi. T'as raison, mec. Excuse-toi, quoi. Alors, on va pas du tout prendre ce deck, du coup. On va partir sur le deck Fournaise Cimetière Combo. On le connaît bien. C'est un petit deck fort sympathique. Au level 11, j'ai pas intérêt à perdre. Si je perds, je sens que je vais me faire trash talk. Putain, je suis déjà à 4600, en vrai. C'est bien. Attends, je suis fier, moi. Soutiens-moi dans les commentaires. Soutiens-moi. Donne-moi la force. Moi j'aime bien jouer le golem de glace en première carte. Tu vois, ça permet de cycler. Tu vois? Regarde. Parce qu'on a déjà pris un point d'élixir, tu vois. Voilà. Voilà, regarde. Ça c'est super combo ça. Dommage. Ah, il reste en vie, il reste en vie, il reste en vie, il reste en vie, il reste en vie. Ah, bien vu, mais on va frapper quand même dur. On frappe dur, on frappe dur. Il le sait, il le sait, il le sait, il le sait, il le sait. Ça, c'est bien pris, ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je peux le laisser. Ah, c'est bon, c'est gagné. J'ai gagné là. Je suis trop à l'aise, je suis trop easy, quoi. Attends, je le troll. Voilà. Allez, double émote! La double émote du combo, quoi. Ça, s'il veut. Voilà, je savais qu'il allait me mettre ça! Putain, je savais qu'il allait faire ça! Putain, je suis visionnaire, mon frère, je suis visionnaire en ce moment. Ah, s'il pouvait rester en vie, ce serait bien. C'est bon, c'est gagné, cherche pas. Cherche pas, j'ai même pas besoin de balancer un poison quoi. Je suis trop frais quoi. Oh, comment je suis trop bien. Wouah! Oh, le mec, je l'enclenche. Le mec n'y voit rien quoi. Après les level 11, hein, on va pas se mentir. Il y a une grosse diff pour le coup là.
Il y a une grosse diff. Même ne serait-ce que la puissance de défense des tours, quoi. Pan! Pardon, excusez-moi, des fois je m'enflamme un peu. Alors attention à gauche. Vache. Tranquille, tranquille, on s'enflamme pas, tu vois. Je me suis un peu loupé sur le poison. Mais tranquille. Tranquille. Bon alors attends. Attends. Attends, 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 attends. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le shop. Tu vois? Non, j'ai gagné. Tranquille. Belle victoire. Non, elle était méritée. Elle était méritée. Alors. Attends, me parle pas. On est à 4650, c'est bien. Tranquille. J'ai 130 000 d'or. Mais là. Oh putain! Les mecs sont prêts à tout, t'as vu, hein. Ils sont prêts à tout pour faire du biz. Même un euro, tu vois, ils sont prêts à me les soutirer. Ils se sont dit quoi? On va lui offrir un coffre foudre et 2000 d'or. Et en échange de quoi, il va nous donner 1,09€ plus. On va lui faire croire que c'est une offre qui vaut 4 fois son prix. En vrai, logiquement, t'aurais dû dépenser en gros 5€, 4,50€ pour l'acheter. Mais non, 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 les gars, non, ça vaut rien en vrai. 2000 d'or, c'est nul. Un coffre foot, c'est nul. Alors, on a quoi? On a toujours les émotes, elles sont toujours là. Je me dis peut-être que, tu vois, il reste 2 jours et 19h, que d'ici là, je vais trouver un sponsor Clash Royale et qui va me dire: David, pour la bonne entente et tout ça, de toi à moi, on va s'éclater et je vais t'offrir les émotes. Inch'Allah, on sait jamais. Mais c'est pas ça le débat du jour. Le débat du jour, c'est ça. Combien coûtent les tournois actuellement, la création de tournois? Ah oui, ça c'est moche. Créer un tournoi actuellement coûte. Oh, c'est cher! Ouais, c'est trop cher! 100 gemmes! 500 gemmes, frère! Ce soir, on fera un petit tournoi, mais 100 gemmes, tu vois. Non, 500 gemmes, c'est abusé. 500 gemmes, c'est abusé. On va commencer à se chauffer avec un petit tournoi. 500 gemmes, tu vois. Non, non. C'est 5,50 le tournoi, frère. C'est plus que ce que m'a rapporté ma journée Clash Royale sur YouTube en ce moment. Ah, franchement, j'hésite. Tu vois ce que... Est-ce que je prends le pack à 10,99, tu vois, qui me fait 1200 gemmes? Ou est-ce que je prends le pack à 21,99, sachant que... J'ai 100 gemmes de plus que voilà. Et que dans le fond, je vais un jour en avoir besoin. Mais en ce moment, je suis pauvre, tu vois. Ma chaîne Clash Royale, elle me rapporte 200€ par mois. Et il faut que je vive quand même, tu vois. Je défacture après. Vas-y, vas-y, je suis un bâtard, je m'en bats les couilles. Vas-y, je suis un bâtard. Attends, le touch ID, frère. Ah. Je confirme. Ah, yes, on a des gemmes. On va pouvoir ouvrir des coffres et faire des tournois. Ah, donc on va être en forme pour les lives. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous la likez juste pour qu'elle fasse des vues et que je gagne des sous pour que j'achète des gemmes. Ça passe en vrai, ce que je viens de te dire. C'est un bon argument. Et si tu likes, t'auras un coffre magique et légendaire. Voilà. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la commenter, de la liker. On se retrouve très prochainement en vidéo ou en live. Merci à tous jusqu'à la fin. Salut, salut.